Depuis la fin du confinement et avec l'expansion du télétravail, des piscines apparaissent de plus en plus dans nos jardins. Dans une commune près d'Aubernais, deux jeunes construisent une piscine pour un couple en télétravail. Avec le confinement, les méthodes de travail ont évolué, le télétravail a été fortement renforcé, les déplacements professionnels, on n'en fait quasiment plus, ce qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps à la maison. Donc là, on va vraiment pouvoir profiter d'une piscine et c'est pour ça qu'on s'est décidé. Geoffrey, 28 ans, et Anthony, 23 ans, ont créé leur entreprise à Ilsenheim en juillet 2020. Ces jeunes hommes ne sont pourtant pas amis à la base. On faisait une vidéo drone et on s'est rencontrés. On a gardé contact et après, avec les réseaux sociaux qu'il y a de nos jours, on arrive à voir ce que chacun fait de son côté. Et on a remarqué qu'en fait, on était très complémentaires l'un de l'autre. On a réfléchi ce projet pendant plus d'une année auparavant pour savoir ce qu'on allait faire et pas faire comme type de piscine et rechercher nos clients en fonction de nos envies en fait. Geoffrey travaillait auparavant pour un pisciniste, Anthony lui travaillait dans le domaine du sanitaire. Leur métier se complète donc pour construire des piscines. Alors on se complémente beaucoup, donc lui il fait tout ce qui est gros œufs, terrassement, moi tout ce qui est plus la partie intérieure, un petit peu plus administrative. Donc c'est deux liens, nous deux on est déjà passionnés de matériel aussi, donc on aime bien travailler en général, ça nous dérange pas de travailler le week-end ni rien, mais tant qu'on aime faire quelque chose, ça nous dérange pas. Tous les jours, on se lève avec le sourire et ça fait plaisir. Dès le début de leur activité, ils ont eu de la demande. On savait qu'il y avait un marché sur la piscine. Par contre, on pensait vraiment pas faire autant de piscines cette année parce que c'est 9 piscines, mais c'est 9 piscines complètes où c'est moi et Anthony. Du coup, on travaille sur tout l'ensemble de la piscine, que ce soit du terrassement jusqu'à la pose du dallage final et la filtration. Donc, on pensait vraiment pas faire 9 piscines. Et là, on a déjà beaucoup de demandes pour l'année 2022, en fait. En termes de travaux complets du départ, on calcule à peu près un mois et demi. Il faut savoir qu'il y a des temps de séchage à respecter pour les bétons. Du coup, pendant ce temps-là que les temps de séchage s'effectuent, nous, on essaie de travailler à l'intérieur sur la filtration, ce qui fait gagner un peu de temps. Et après, on change sur un autre chantier pour que le béton continue à sécher correctement. Tous nos clients, c'est des personnes qui ont fini de payer leur maison, donc entre 40 et 50 ans, qui veulent profiter, qui voient qu'ils ne peuvent plus partir en vacances, donc ils veulent investir chez eux. C'est faire une pièce en plus en extérieur pour profiter, parce qu'au final, avec les chaleurs en Alsace en ce moment, c'est de pire en pire. Donc ils veulent profiter de chez eux, avoir un petit pied-à-terre et avoir un point d'eau et se rafraîchir pour tout l'été. Pour l'instant, tout se passe bien pour eux puisque leur agenda est plein jusqu'à l'hiver 2022.